Si je l'ai déjà euh, tourné, Mais je crois que j'ai jamais joué avec vous. Hein. Quelqu'un se rappelle d'avoir que euh, j'ai joué à Katan et qui me connaît depuis un moment ou quoi N'hésitez pas à me le dire, comme ça au moins ça me permettrait de le savoir d'avance. Alors, recherche l'adversaire On va chercher quelques secondes. Ah, poignée de main. Il main. Ils se refusent tous. Hein, apparemment, euh, ils ont vu le niveau 1. Ils croient que j'étais débutant, mais c'est parce que j'ai pas ma, mon compte habituel. Hein. Sinon, je suis pas niveau 1. Hein. Je suis au niveau euh, 10 ou 11, je crois, un truc comme ça, ou un petit peu plus haut, en tout cas, que niveau 1. On a, serré, on a serré la main à trois personnes, à deux autres personnes plutôt. Nous avons, nous trois, là. Voilà le plateau. Je ne sais plus c'est quoi les chiffres. Ah oui, c'est les chiffres des dés, ok. Alors les chiffres qui sont là, c'est les chiffres des dés. Alors qui commence Alors c'est Jibir. Donc Jibir, il va placer euh, ses, ses, ses pions, je crois, enfin deux pions. Voilà, deux maisons. Euh, en fait, alors, Jibir joue en premier. Anne arrive en deuxième, je joue en troisième, je rejoue en quatrième, un arrive en cinquième, et ça finit par Jedibir évidemment. Donc là, il faut que je sois stratégique. Il faut que je sois stratégique. Ok. À votre tour. Ça, c'est très bien joué, ça. Euh, c'est très bien joué, je crois que j'ai joué ça ici. Non. Tiens, ouais, on joue ça ici. Ouais. Moi, ça, j'ai du terrain montagne. J'ai euh, la, la plaine et j'ai aussi un peu d'argile. Ok. Et ma route va aller vers là. Votre tour. C'est encore à moi de jouer, du coup. Et ma deuxième maison, je vais. <laughs> euh, je vais la jouer. Je vais la jouer là. Hein. Je crois que je vais la jouer là. Hein. Bah ouais, je suis désolé, je vais la jouer là. Hein. Pour ça, j'ai du bois. Et du blé. Évidemment, et ma route, elle va aller en direction de là. Autour de Anya, Ok. C'est parti! Je crois que j'ai bien placé mes plombs. Parce que là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a le monopole sur tous les, les, les ressources. Et cette personne-là n'aura pas le monopole sur ni la pierre, comme ça, ni l'argile. Donc, ok. Ça, c'est intéressant. Cette personne-là, pour l'instant, elle n'a pas le monopole. Monopole, c'est vraiment. Vous connaissez la différence entre monopole, oligopole, euh, etc. Le monopole, c'est quelqu'un qui euh, est décideur d'un tout. Voilà, il a tout. Il a tout, il décide de tout. Personne ne peut lui mettre des bâtons dans les roues. À part un gros. Je peux pas dire le mot, hein. c'est interdit. Mais je, voilà, un... je viens de l'insulter, quoi. Ce mec-là, c'est quelqu'un qui aime bien foutre la merde. Voilà, ça se voit direct. Donc, ça, cette personne-là, sachez-le, je détruit détruire sa partie. Je suis obligé. Il a détruit la partie en début de tour. Regardez ce qu'il a fait. Je ne peux plus rien faire. Je suis bloqué. Il n'y a aucun intérêt d'avoir fait ça. Lui, il n'a même pas bloqué lui. Il a fait ça pour pas qu que ça m'emmerde en vrai, je crois. Pour pas que. Ok. Alors, moi je veux l'aider. Alors. J'ai fait un 4. Donc, je touche du coup de la plaine. Let's go. Euh, des moutons, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire Je peux récupérer. Alors, c'est quoi déjà les cartes euh, qu'il faut pour acheter des, des routes Alors, attendez, je vais regarder un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Euh, comment on regarde les cartes déjà Je sais plus où on va où les cartes. Dernier tour. Ici, vous trouvez le menu commerce. Alors, voilà. Ok. Donc là, par exemple, je peux faire du commerce avec lui. Euh, enfin, avec lui ou avec elle. Et pour ça, par exemple, je dis, il me faudrait... Je, je, je lui offre un, une chèvre contre un blé. Ou j'offre une pierre contre une, deux d'argile, etc. C'est un peu le commerce. Voilà. Ce qui est mon métier dans la vraie vie, évidemment. Je connais le domaine. Et on a des cartes aussi qu'on pioche. Par exemple, moi, j'ai trois cartes. Et je ne sais plus comment on voit ces cartes. Et ça, c'est un petit peu le problème que je rencontre actuellement. Ok. Pour faire des routes, il faut un bois, un d'argile. Pour faire des colonies, il faut un bois, un d'argile, un bouton, une paille, trois pierres et deux pour faire une ville. Et le développement euh, pour améliorer une ville, une maison, etc. Il me faut une chèvre, un blé, une pierre. Donc là, je n'ai rien pour rien faire. Donc du coup, on va pas mon tour ou utiliser des cartes. Mais je ne sais pas comment utiliser mes cartes. Donc ça, c'est chiant. On va juste finir le tour, je pense. C'est compliqué. C'est compliqué parce que pour l'instant, je ne sais plus comment on voit les cartes. Aucun vol subit. Ah oui Il y a certains chiffres qui, qui fait que le voleur vient sur ton terrain, je crois. Le voleur, c'est lui. Et quand il vient sur ton terrain, il te vole toutes tes ressources sur la case où il va se poser. Par exemple, là, le voleur est 8. Et donc du coup, euh, il l'a posé ici. Sur Anari. En gros, lui, euh, il a pu poser le, le voleur ici. Alors je ne sais plus comment on peut jouer le voleur. Le voleur, c'est un personnage un petit peu secondaire de l'aventure. Il faudrait que je me rappelle un petit peu de, de son rôle exactement dans euh, l'exactitude près. Alors là, Anya, Anyami, euh, elle va jouer quoi Alors là, c'est quand vous allez passer par ici, par exemple, là, il y a un petit ponton. Si vous mettez, une, vous mettez une route ici, bah, il va gagner des chèvres en plus, etc. Et ça, c'est stylé en vrai. Ça, c'est plutôt stylé. Mais après, il faut vraiment faire stratégie. Lui, il m'a niqué toute ma partie, lui. Hein. Lui, il est chiant. En vrai il est malin parce que lui il dit il coupera pas la route pour passer par là et lui il passera pas par là en vrai et en plus comme ça il peut avoir le monopole je crois qu'il a le monopole lui aussi il a le monopole c'est pour ça qu'il a mis son truc là en vrai parce qu'il voulait de la plaine et ouais il a... en fait il a mis là pas pour me faire chier vraiment mais il était obligé de me faire chier parce que sinon il a pas le monopole Alors ça vous pas madame Historique de la partie ah vous avez un historique de ce qu'on a fait dans cette partie ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont stratèges donc voilà, ouvre la boîte de jeu, nanana. Nan. Gilbert construit une colonie, nanana. À votre tour, Alex construit une colonie. Voilà. Pour vous rappeler de ce que vous avez fait comme étape d'avant, vous avez ce truc-là. Donc n'hésitez pas à cliquer ici. Statistique de d Donc pour l'instant, il y a eu deux fois du 7, une fois un 6, une fois un 4, une fois un 9. Voilà. Ensuite, mise en place du scénario, le jeu. Premier île, voilà. Donc après il y a d'autres extensions et tout, mais il faut payer et tout. Mais vraiment, ça vaut le coup, hein. si vous kiffez euh, le jeu, n'hésitez pas. Alors je vais m'aider évidemment. 5. Ah, je touche rien. Et là, ce n'est pas pour moi. Deux de blé. Je ne peux rien faire. On va proposer un échange, parce que j'ai envie de jouer. Je suis joueur. Qui n'a pas de blé Qui clairement n'a pas de monopole de blé Ils ont tous du blé. Le 5, peut-être que. Peut-être que la fille Aïmari n'a pas le blé. Donc du coup, on va lui proposer un de blé contre un de pierre. Mais elle n'a pas touché de la pierre, je crois. Si, elle a fait un 6. La partie a un 6, donc... vas y On va proposer ça. Qui est chaud Ah Gibier est chaud Jibir est chaud Ok. Est-ce que je laisse euh, me poser la partie Je refuse. Alors, je voulais que ce soit elle. vas y je taille mon tour. En vrai, je voulais que ce soit elle qui, qui, qui accepte le truc. Parce que lui, j'ai peur qu'il me fasse un coup de trapalgar pour l'instant. 11. Je touche des montagnes. Enfin, de la pierre. Ouais, j'ai besoin de pierre du coup. Donc là je peux faire un développement. Ok. Je crois que je peux me développer là hein, du coup. Je crois que je vais me développer ici. Parce que là, c'est plus important. Je sais pas. Je sais pas comment je vais me la jouer. Ok, donc là j'ai bien réfléchi c'est autour de Anyami Ok. Maintenant enfin, c'est on tire les dés, on a de la chance. Et si on a de la chance, on peut se développer et construire des routes. Et euh, en gros on gagne des points. Donc là par exemple on a un point chacun. Non c'est pas du tout ça. On a deux points chacun. Voilà. Et dit qu'on a 10 points de victoire, c'est les points de victoire. Je me rappelle jamais de ce que ça s'appelle. Quand vous avez 10 points de victoire, vous avez gagné la partie. Voilà. Et les points de victoire se font en fonction d'un développement, de routes, et etc., etc. De, vi de villes aussi construites, je crois. Les colonies, mais je sais plus c'est quoi les colonies. Je sais plus ce que c'est une colonie, vraiment, hein. enfin le, la colonie c'est quand tu colonises c'est que tu envahis, mais je sais plus ce que c'est euh, dans le jeu la colonie quoi Et ça c'est un petit peu le, le petit doute que j'ai Alors, là, je, madame vous, vous mettez plus de temps que nous deux, hein. là je suis désolé de le dire mais c'est trop, c'est long, vraiment Après je comprends, elle réfléchit peut-être, mais là je suis désolé, elle a juste à mettre une route là et voilà, elle monopose une route, elle gagne un point de victoire, terminé, je sais pas ou alors, euh, elle, elle développe ici, parce que c'est là qu'elle a plus de ressources. Ou elle développe là, comme ça, elle a beaucoup de, de, de chèvres. Et elle a le monopole sur la chèvre. Enfin, l'oligopole sur la chèvre. Et c'est très intéressant, ça. Et bon, ça a le devoir. Ça a le devoir. J'espère que vous kiffez le jeu. N'hésitez hein. pas, si vous avez des questions, profitez en Allez, Le temps que j'ai là, je peux vous répondre à quelle que soit la question sur le jeu, sur les prochains lives. N'hésitez pas. Au cas où subi, ok, on le subit. Ok. Plus c'est quoi? Ah, il faut pas faire le. Ok. Le voleur, il est où? Alors, ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Il j'ai de blé. Le voleur, en fait, il est là. Même si on fait un œuf, et eh ben par exemple, lui, il va toucher. Mais moi, je ne toucherai pas, et lui, il ne touchera pas de blé. Et ça, c'est très chiant. Là où le voleur se situe. La case où il se situe, si tu fais ce chiffre et qu'il y a le voleur dessus, tu ne touches aucune ressource. Voilà à quoi sert le voleur. Donc voilà, voilà, comme par hasard C'est vraiment le cas que je voulais vous montrer. Je fais un œuf, je ne toucherai pas mon blé. Et lui, bah, lui il ne touchera pas de blé non plus, bien sûr, parce qu'il est aussi sur la case du blé. Mais par contre, il va toucher sa ressource d'argile. Très malin. Alors, développement. Comment je fais le développement C'est ici construire ville Non. Comment on se développe Construire ville, non. Est-ce que je peux faire une route Est-ce que je peux placer une route ou pas Construire route et je n'ai pas assez d'argile. Ah ouais l'argile vraiment ça, ça, ça se complique hein. Ok, je n'ai rien en vrai. J'ai deux de blé, développement, mais comment ça va on fait le développement 2 hein, VP, euh, deux points de victoire et développement, que je ne peux pas le faire apparemment, donc euh, on arrête. Ok, on va arrêter là. Pas du tour. Ah Le voleur a bougé de place ah si ah yes bien joué Ghibear parce que lui aussi ça le bloque en vrai d'avoir joué le voleur ici ah non c'est pas lui qui a joué c'est Aniamni qui a joué le voleur ici pardon oui oui bon c'est bien joué il l'a rendu là, pareil en vrai c'est bien joué alors Qualy en maintenant cette carte vous déplacez le voleur et subissez utilisez une ressource au propriétaire d'une colonie ou ville adjacente donc ça va être moi bien sûr et il vole mais je n'ai pas cette ressource la voilà, Aniami. À ok, il savait que je n'ai pas fait 10. Il a dû regarder euh, les précédentes euh, stats. Il a vu que je n'ai jamais fait 10. Ok. 5. Je tout touche rien. Il se développe bien. Eux. Euh, elle m'offre un blé. Je m'en fous. Je m'en fous. Ok, c'est les gens qui sont chiants. Ceux qui ça, ils sont chiants. Ils ne laissent pas le temps de réfléchir en vrai. On vous l'aider 6 ne touche rien hein. n'est pas avancé d'un tour quand hein. je tire Ah, développement c'est des cartes mais quand je tire une carte du coup quand euh, je tire une carte marquée développement avec clic droit euh, faut que je tire une carte développement et pour ça tu dois faire ça ici vous choisissez de recevoir d'offre de d'échange ok euh, terminer le tour annuler l'échange faire commerce terminer l'échange Comment je, je prends cette carte J'ai assez, hein Non, j'ai pas assez. Bah si, j'ai assez. Non, non, j'ai plus de... J'ai plus de chèvres. En fait, j'ai plus de chèvres, c'est pour ça. Je peux pas jouer parce que j'ai plus de chèvres. Ok. Alors, moi, je pas rien faire. Ils touchent beaucoup. Ils ont vraiment de la, de la luck. Hein. Soit ils connaissent la probabilité de faire tel chiffre dans une partie Soit ils ont de la luck. C'est l'un ou l'autre. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plus la luck que qui prime. J'ai Jibier a gagné un point de victoire de plus. Il a un point d'avance sur nous. Ah, ça c'est bien. Ça arrêtez avec vos échanges. De toute façon, j'ai pas besoin d'échanger à mon tour. On lance des ok C'est 8. J'ai de la Ok, on peut enfin faire des routes. Let's go. Alors, du coup, on peut faire des routes, j'ai décidé de me mettre ici, évidemment. Je peux également finir mon tour. J'ai rien d'autre à faire. Non, vraiment, je peux rien faire de plus. Donc, très intéressant. Je vais pouvoir mettre une maison ici au prochain tour. Je gagne une fièvre. C'est très, 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 très cool. Je vais pouvoir tirer une carte au maximum si j'ai pas de possibilité autre. Il a gagné un point de victoire. Il a fait quoi Il a. Ok, il a fait une colonie. Il a fait une colonie ici. Donc, là, il va gagner. S'il fait un 6, il gagne 2. Ah oui la probabilité que lui tombe est très 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 important. Au plus que c'est rouge, au plus que c'est important. Il m'a volé. Oh, mais vraiment, ils aiment bien me voler. Hein. Ils kiffent me voler les... Let's go L'argile Est-ce que je peux faire une colonie Il manque un de bois pour une colonie. Enfin, une ville. Il manque de la pierre. Ok. On va tenter l'échange. On va tenter l'échange. Un train de bois. Que ça va se refuser, ça va se refuser. De toute façon, là, ils savent, ils savent que j'ai une maison. Et on va tirer une carte, c'est pas grave. Alors, quelle est ma carte Le chevalier, on l'a vu tout à l'heure. Quand tu joues le chevalier, bah tu peux déplacer le voleur, c'est ça Ouais, tu peux déplacer le voleur. Ok, bien joué à vous. Eux, ils sont bien. Lui, le voleur, s'il si tombe, il prend toutes ses ressources, je crois, ou il enlève la moitié de ses ressources. Oh la luck qu'ils ont, c'est des joueurs professionnels, c'est pas possible. On peut voir leur stats en cliquant sur leur pseudo. Ils ont vraiment de la luck. Vas-y, boulevoler de là. Il faut que tac 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 tac, tac... je vais jouer ça ou bah ici. Je joue ça ici. Je joue ça là. À qui souhaitez-vous une carte Le gagnant. Voyez, il y a son de gagner, c'est mort. Ok. On tire les dés. Ça joue du neuf Let's go, ça tire encore du blé. Ça tire du blé. J'ai trois blés. Mais rien à faire. Ok. Et pour l'instant, je n'ai aucun point de victoire gagné. Par contre, j'ai une carte chevalier jouée. Lui aussi. C'est lui qui a le plus long route. Donc il gagne un point de victoire. Il a des maisons. Et des colonies il va gagner des points de victoire. Quand il va jouer une maison ici, il va avoir des points de victoire. Hein. Mais ils ont eu de la bonne luck, hein. Moi j'ai joué en dernier, en fait j'ai joué troisième, quatrième, et j'ai pas eu le, les emplacements que je voulais au départ. Tu peux. Il peut. En vrai, il peut hein. Et bon c'est un peu bête, il faut qu'il s'attaque plutôt... Au... Ah, let's go. C'est bien ça. C'est bien, mais ça me sert à rien, en vrai. C'est très très bien, mais ça me sert à rien pour l'instant. Il me faut du bois. Le bois, j'ai pas de chance. Parce que le bois, c'est un 10. 3 3 3 sur 6 de l'avoir un, un bois contre un d'argile. Euh, non, les premiers, je les premiers. Ça a le deuxième. J'aurais dit oui, mais le premier, je peux pas. Va me permettre un 2 qui a fait des deux. Personne n'a de 2 ici. Ok, et donc du coup, là par exemple, il peut toucher euh, du 5, du 9, du 10, du 8. Non, pas le, 10, pas le 8, il va s'étendre vers là. En vrai, c'est chiant moi joué pardon 7 6 oh non non j'ai pas de biais c'est pas pour moi ça ben fin de tour hein. là ça va très vite mais j'ai rien à jouer en vrai et lui en vrai il peut construire je sais pas ce qu'il fait c'est pas ce qu'il fait il a 10 11 cartes il peut construire ce qu'il veut je pense qu'il attend de faire une grosse dinguerie là en vrai qui a Voilà, il dépense ses cartes enfin. 10. Du... du bois. Ok, on peut faire des maisons. Ça, c'est intéressant. Alors. Ah non, je ne suis pas sûr de pas faire de maison. Oh. Mais attendez, c'est quoi je peux faire C'est une route. Oh, Attendez, il manque vraiment des chèvres là. Bon. On va se développer par là-bas. Hein. Ok, pas de bonne victoire pour moi pour l'instant j'ai pas la route la plus longue je pensais que j'étais à 3 mais il est passé à 4 lui avec cette route là ok lui il passe par les côtés pour récupérer des ressources gratos en vrai et là il va se faire des colonies hein, je pense je pense une colonie par ici euh, une route euh, si je fais une route là vraiment c'est un gros gros euh, Yinch. voilà c'est plus poli' dire rien mais euh, j'espère pas que c'en est un J'espère qu'il va juste aller par là-bas, faire un petit détour, voilà. Mais je sens qu'il va me faire un truc là, un coup de trafalgar ou qu'il va jouer une route là. Et pourquoi tant de haine euh, Je sais pas. Il sait, en fait, il est malin. Il sait qu'on n'a pas de bois. Et lui, son bois, il le récupère ici. Alors que nous, on le récupère, non, non, vous euh, tout seul. C'est quoi cette proposition Tu peux te les, te les enlever. Merci bien. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ok. Il est d'une h 22 la game poursuit, bas son plein. Et pour l'instant tout se passe bien. Euh, je ne suis pas dernier, je suis pas premier, je suis deuxième execo. On va tirer les dés. Et si j'ai du bois, c'est parfait. L'argile, c'est bien, mais... Il me faut du bois en fait. Sans enfin, bois je suis rien. Hop, je vais re-autoriser re re les échanges au cas où que... Euh, le deuxième, c'est-à-dire Aniami me propose un échange très très intéressant. Ok. Deux de bois contre un d'argile, non. C'était non. De premier, mec. Y'a combien de cartes Non. Non. Non, mais ça sert à rien, on veut pas. Ok, toi je te laisse proposer des échanges, ça peut être intéressant. 8, donc ce serait du d'argile. l'argile. Un blé contre un d'argile. Attends, non Il joue quoi C'est a joué Il a joué une grue, mais je sais pas ce que c'était comme carte. Ok. 6. Oh Oh, ça leur fait du. Ils sont fous de pierre. Euh... Je peux rien faire. Moi, je propose pas d'échanges parce qu'ils vont me refuser. J'ai pas encore fait des échanges équitables, équivalents, équitables. Donc, euh, non. 4 d'argile, ça sert à rien. Je crois que je peux en vendre de l'argile en boutique. Je crois qu'on peut en vendre euh, en boutique de l'argile. Genre, deux d'argile contre un truc, deux d'une carte contre une d'une autre. Je crois qu'on peut faire ça. Et là, si je peux vendre deux d'argile contre un de bois, je peux faire une colonie. On va, faire, on va faire la colonie, je pense. On va la placer ici. Ok. C'est toi qui finis son tour. Ils sont bien développés par rapport à moi. Regardez. Hein. Ils mettent plus de routes et tout. Alors, juste vous vais l'aider. Voilà. 5. Je touche rien. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je peux faire un échange contre. Voilà, ouais, la banque. Alors. Si je vends Deux d'argile. Pas 4. Non, pas 4. Non, tu as compris. 2. C'est 4 contre 1 C'est 4 contre 1 Attendez. C'est 4 contre 1 Ok, c'est de la grosse guise. Hein. Vraiment, euh, j'ai rien qui contre. Tout est contre moi, j'ai rien à mon, à mon avantage là. Euh, ok, 4 cartes pour avoir une ressource. Encore si on ne vole pas derrière, bon, ça va, mais bon là on vole beaucoup donc. Autour de Mi et ok. À votre retour, ok, merci. Allez, du bois. 4 Quatre. Et des chèvres. Euh, non, non, c'est c'est bien, hein mais non, je peux pas, j'ai pas. En fait, il faut du bois. que j'ai pas de bois, je peux pas faire grand chose. On va dire que le bois me bloque beaucoup pour cette partie. Bon j'espère que vous avez beaucoup compris le jeu, hein, logiquement hein, vous avez vu, vous, vous pétez des routes, vous, quand les routes sont construites, vous pouvez mettre entre chaque case des maisons. Euh, sauf si il y a une route adjacente qui est celle d'un ennemi, je crois que vous ne pouvez pas, etc. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Du bois. Ok, là on va pouvoir se développer. Là on va pouvoir se développer. 9, ok, c'est bien ça aussi. Je veux jouer ça. Ah il faut de la pierre. On va jouer des maisons donner on va jouer des maisons hop et je crois que je peux plus rien faire ok donc maintenant si j'ai du 4 j'ai deux chèvres si j'ai le 4 j'ai deux chèvres si j'ai un 11 ou un 3 je peux avoir 100 en plus quoi ah il a gagné il va gagner regardez il a, il a une grande route il a deux euh, colonies, il a des maisons, oui, oui, il a gagné dans tous les cas je pense, mais bon, il faudrait que je gagne des points de victoire pour battre Anami, pour passer au moins deuxième, définitivement. Mais Anami, je sais pas si c'est un robot. C'est un robot, bah oui, il est écrit là C'est un robot Mais en plus, c'est écrit sous mes yeux que c'est un robot. Il n'y qu'un seul personnage humain en vrai. Voilà, je vous ai dit, ai deux chèvres. Ça ne sert à rien, mais let's go, j'ai deux chèvres. Bon. Ça va, le robot il est nul. En vrai, je me, me faille depuis tout à contre un robot qui est, qui est inexistant. Mais c'est trop marrant à la fois parce que <laughs> j'avais pas fait gaffe que c'était un robot. En vrai, je me suis dit, c'est quoi ce logo C'est parce qu'il est sur Android. Je suis vraiment dit ça sur le coup. Ça va pu être logique en vrai. mais non c'est un robot. Oh, bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça Je peux me développer. Je peux me développer une carte. Attendez, on va voir si j'ai du bois. 5. Non. Je vais faire des routes, je crois encore. Euh, Où oh, je pourrais mettre mes routes Je pourrais mettre une route ici. Non, je ne peux pas faire de route. Donc, une carte développement. Tac. Et c'est quoi Le chevalier, le fameux. Ah. Ça, n'est pas venu venir, hein, par contre. Bah, écoutez, hein, en fait, il est, bientôt, euh, il est bientôt gagné. Il pose une maison ici, je pense. Et, et il me fait une route en plus, il a gagné, je crois. Ok. Un mois. J'ai pas de bois. Ok. Ça c'est bien par contre. Ça c'est très très bien. On va jouer ça. Et on va essayer de récupérer un bois. Évidemment. Est-ce que je peux faire une colonie maintenant Bordel. Pour pas. Est-ce que je peux poser des, des maisons Je crois pas. Si. Ici. Ici. Non. Ici. On peut faire une route. Je veux le chevalier aussi. Et parce que j'ai plus de blé euh, qui, qui. Le blé, il m'embête. Il faudrait que je bloque euh, carrément lui en fait. Hein. Voilà, c'est un humain. Et que là, c'est un robot. L'humain prise Pour le robot. Donc, c'est plus important d'attaquer l'humain. Parce que le robot, il va pas faire de dinguerie en vrai. J'aurais même pu vendre mes 4, mes 4 euh, laines là. Contre un de bois pour faire une route en plus euh, ici ça Je pouvais mettre une, un truc ici. on met une route ici même j'aurais dit. Est-ce que il vous 6 Ok il gagne du... Ah, il gagne de la pierre. Ok. Oh Colonie, c'est toujours pas possible. Il faut 3 de pierre pour une colonie, je crois. Ok. Est-ce que je dois jouer ma route euh, ici ou pas Ouais. Hop Je peux pas jouer ma maison je parie Non, j'ai pas assez. Attends, j'ai assez pour acheter une carte développement. On l'achète c'est quoi C'est toujours la même carte, hein. la carte pour bouger mon, mon fameux le fameux voleur quoi. Ok, il va faire une route, une maison, il va gagner. Je pense qu'il il a assez de cartes. Il va, il va gagner, il va nous achever maintenant. Bien joué vois lui. Vu le nombre de cartes qu'il a, il a assez. Pour nous achever. Il a 9 ou 10 points de victoire là dans ce tour, je sens. Et s'il a 10 points de victoire, il a gagné. Non, non euh, je pense que refuser pour tout. Hop. Allez. Pas semblant, on sait que tu vas gagner. Il fait style de. Ouais, je vous laisse une chance, machin. Il nous faut encore des offres, mais nous, on a bloqué. En raison, il part du temps, ouais. Ok. On va débloquer pour le robot, au cas où nous fait des propositions. Un petit 6 pour lui, et ça régale. Hein. Allez, j'accepte. J'accepte, il me faut du bois. Alors. 5. Ça me fait rien du tout. Je vais ça. Et je joue ça là. Ok, monopole des cartes jouées. Ça c'est bien ça aussi. Ça c'est très très bien. On va faire une route. Oui, on va faire une route. On va la jouer ici. Allez. Une route de plus et on le on le rattrape. Vraiment, ça peut se jouer à ça. Une route Une seule route une maudite route. Ah là 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 il y a beaucoup de cartes en plus. Ce voleur, il l'a pas emmerdé. Hein. Non, allez, arrête, T'es dit. Euh... On est ennemi. On est ennemi pour la game là. Je sais pas s'il doit lui manquer, mais c'est bizarre. Il... Soit il fait semblant, il nous troll. Soit il a vraiment pas les cartes qu'il lui faut. Mais c'est, ça m'étonne quand même. Hein. Ouais, let's go, des boutons. Une pierre contre un bouton, allez. Ça, ça régale. Allez, un bois. Un œuf. Ah, le oh le malin. malin. Il m'a bloqué mon œuf avec euh, le blé. Ok. Vous êtes fort, vous, de votre côté, sur les jeux de plateau. Est-ce que vous avez déjà fait des jeux de plateau comme ça, etc. En cas vous vol subi. Ok. Et quelle heure Je pense à mourir de faim. Oh, ah il est 19h30. Ok. Après cette partie, je vais aller manger, les amis. Euh, je vais aller manger après cette partie. Alors, sachez juste que le prochain live, ce sera pas la semaine prochaine. Ce sera la semaine d'après, du dimanche, je pense, ou du samedi soir, je ne sais pas encore. Du samedi soir, de 19, 18h à 20h30, on finira Resident Evil, où on fera du dimanche de 13h à 15h. N'hésitez pas à venir, et après, on va débuter des nouveaux jeux, une nouvelle saga. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Il manque un point de victoire. Il suffit que je prenne la route, le monopole sur la route, il perd des points de victoire. Il me suffit d'un argile pour le tour d'après. Genre un 11, un 8. Puis après, je touche un 10. Ou un 3. Et là, c'est bon. Oh non, elle va accepter la laine. Non, mais vraiment, le robot qui va faire gagner le, euh, le, le vivant, quoi. Ok, ok. Ok, je vois le délire. Ok, j'essaie de les échanger. J'ai rien. Je... Ça suffira pas dans tous les cas. Dépassez le voleur Le là Hop Ok Rien à faire Fin du tour. Tu peux vraiment rien faire les amis Le problème c'est que lui avec ses colonies gagne plus de cartes Donc quand il touche des bonnes cartes Oh Oh alors là intéressant Il passe son tour Il n'y a qu'une carte Ok Ok Oui J'accepte J'accepte j'ai accepté! C'est trop vite, j'ai accepté le bois! 7. C'est pas de bois, y'a pas... rien en 7? Euh, je vais faire ça là. Merci. Alors! Alors! La route la plus longue est à moi! Eh oui, t'as vraiment cru que j'allais t'oublier oublier la route la plus longue? Tac! On revient à égalité! Je vous ai dit, on va, on va rattraper le gars. On rattrape! Bonne nouvelle! J'ai la route la plus longue! Lui, il peut pas l'avoir. Il faut des cartes. Il n'a pas beaucoup de bois. Et lui, il ne peut pas toucher autre bois que là. Il ne peut pas toucher du bois en plus. Il faut qu'il aille là-bas en vrai. Il faut qu'il aille mettre des terrains là-bas, sur le 6. Il ne peut pas jouer de route. Il n'a que 4 cartes. Il a joué quoi J'ai pas vu ce qu'il avait joué. Il a 5 maisons. J'en ai que 2, 3. J'en ai une ici, juste après, comme ça j'ai des trucs en plus. Il a vu quoi, il a vu quoi Ah il a grandi sa route Ah il est malin Il faut jouer des routes ici en vrai bah, bah, Tu vas trop vite mec Il va trop vite Le robot va trop vite, ok On joue, 7, 6 Il touche Et je touche rien Il va reprendre le, le monopole De la route la plus longue hein. Ok, le cavale subit Il joue le voleur il a déplacé le voleur ou pas C'est classique, c'est le 8 pour le voleur, hein, c'est ça C'est quand il y a un 8, ok. Ou bon, le 7 plutôt, s'il n'y a pas de 7. Il n'y a pas de 2, 3, 4, 5, 6... C'est le 7 le voleur je crois. 8, 9, 8, ouais, il n'y a pas de 7 sur le terrain donc le 7 c'est le voleur forcément. Ok. Ok, bon voilà, il va avoir le monopole de la route la plus longue. Très bien joué, c'est... Impossible de rattraper je crois. En plus il touche du bois mais à foison. Moi j'ai... Il faut de l'argile et du bois en même temps. J'ai de l'argile mais j'ai pas de bois. C'est génial hein. Les échanges sont morts avec le bot hein. Ça va pas fonctionner en vrai. Allez vas-y je te laisse gagner. Termine-moi ça. C'est dommage. J'ai touché des bonnes cartes à la fin là. Et voilà. C'est pas fini. Oh j'ai cru que ça allait être fini. Très bien. Par contre, ça compte, elle fait de 11 de longueur. 1, 2. Vas-y, si tu veux, je te donne mon bois. Son à ce, ce niveau-là. Non, arrête avec les chèvres. Euh, à ce niveau-là. Je, je sens qu'on va retoucher du bois. Il va retoucher du bois, pardon. Fin de tour. Je comprends rien, vraiment En vrai, Venom, regarde. Hein. Simple, hein. ça très simple, ça va très simple. Bon, là, le tour, il va se finir. Enfin, la, la partie va se finir. En gros, au début de la partie, tu joues deux maisons. Au froid. Sur, la, sur les cases qui sont là, les cases là, comme ça, là, les, les cases où il y a des petits points entre deux lignes. On commence par le premier qui est à gauche, milieu à droite, à moi, puis je rejoue une maison, puis c'est à elle, puis c'est à lui. Et chaque tour, en gros, tu vas tirer les dés. Et si ta maison est placée, euh, en fait, si ta maison est placée ici, si tu, si tu fais un chiffre qui se situe entre là là et là, bah, tu vas toucher les ressources dans ces trois cases là. Et les ressources, ça va te permettre de développer ta ville, ton, ton environnement, etc. Par exemple, là, je vais jouer une route qui va se jouer ici. Hop. Et, en gros, j'ai dépensé des ressources que j'avais ici, que j'ai gagnées grâce à mes dés, tout simplement. Et le but, en gros, c'est que certains de tes actions vont te faire gagner des points de victoire ici. Et si tu as 10 points de victoire, tu as gagné la partie. Tout simplement. Et regardez ce que je vais faire, les amis. Hop. Alors, non. Ah, il a accepté. Ah, j'ai passé mon tour. Moi, j'ai été trop vite. -être le voleur. Euh, 4 sources supplémentaires de nos voleurs. 4 sources de supplémentaires de nos voleurs ben, sous ma pierre. Prends sous ma pierre, ça ne me dérange pas. Pas grave, la pierre, c'est pas... Voilà. Et en gros, quand tu fais des routes et que tes routes elles, se rassemblent, et eh ben tu gagnes ici, euh, ici là, les, le, le monopole des routes. Et lui, il a une route qui fait 11 de longueur. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 collés, donc ça fait 11 de longueur. Il a une grande route. Et donc il a le monopole des routes. Et moi j'ai joué trois cartes. Les cartes développement, c'est des cartes là qui vont me permettre de faire des contraintes à tes adversaires. Et comme j'ai le monopole des cartes jouées, et eh ben j'ai l'avantage. De ce côté-là. Voilà, par exemple, là je le voleur. Ah non, je veux pas le voleur. non, je veux pas le voleur, ok. Ah si, je joue le voleur. Et eh ben le voleur, je le vois ici Allez, donne-moi du blé. Voilà. Ça c'est juste à récupérer du bois. Mais normalement, s'il touche la bonne carte dans ce tour-là, il a gagné. Ah il gagne du bois et du blé, je crois qu'il a gagné. Je crois qu'il manquait du bois lui. Non, euh, enlevons tous les échanges avec lui. Ok, ça va. Est-ce que c'est mieux compréhensible ou pas de ton côté, Venom Est-ce que tu un peu mieux à comprendre la partie et En gros, ça se développe au fil du temps et la partie, euh, ça finira une fois que quelqu'un dit point de victoire. Donc là j'ai du bois. Donc là ce que je vais pouvoir faire avec ça, c'est jouer une maison. Longtemps Je peux jouer une maison voilà. Ok, ça fait un point de victoire par maison jouée, je crois, sur la même route. Donc là, je vais jouer une maison ici également, soit une route ici ou même pas forcément. Ça j'aurai une septième point de victoire, mais je crois qu'il va gagner maintenant, donc c'est trop tard. Voilà, c'est perdu. Vu la dépense qu'il a fait, c'est perdu. Bon, ben voilà, il a gagné. Il n'a pas gagné. Il va jouer une maison là. Il va jouer une maison ici, il va gagner. C'est Ça. Normalement, il joue une maison ici à gagner. Oui, c'est plus clair. C'est bien, n'hésite pas à regarder les règles sur internet. C'est un C4. Tu veux jouer? Voilà, on s'est gagné pour lui. Consultez la progression. Voilà, récompense de niveau 1. Voilà, gardez vous gagnez des récompenses. Par exemple, là, j'ai un car quoi en c'est pour améliorer mon personnage. Voilà, c'est pour améliorer votre PNJ, votre personnage qui vous représente. Évidemment, moi là, je suis pas en, avec mon compte officiel, donc euh, j'ai joué surtout pour vous faire.